Bon, salut à tous, ici Skeos avec un petit retour avec Destiny. Parce que j'avais remarqué qu'il y en a quelques-uns qui sont défollow, peut-être parce que je streamais pas pendant un long bout. Désolé. Parce qu'il y a eu une mort dans ma famille, donc il fallait que je m'occupe de certaines choses. Et j'avais certaines choses aussi hors contexte, donc que je devais faire, qui me grugeait beaucoup de mon temps. Donc, là, je vais commencer peut-être à faire des streams un petit peu plus réguliers. Donc, si j'ai le temps, je vais faire des streams comme du Destiny, du Yu-Gi-Oh! Ou les deux jeux et rétro que j'étais supposé de continuer, que je vais continuer ici aussi. Donc, si vous voulez vous mettre au courant, les autres membres, partagez. Parce que je crois qu'ils pensent que je suis mort quand je suis encore là. Donc, je vais faire les petites quêtes annuelles de la semaine plutôt. Que je remonte mon Arcanis. Parce qu'il faut que je trouve des affaires pour augmenter pour qu'elle atteigne au moins un niveau respectable de lumière. Le cosmodrome, symbole rouillé de la chute. On en reprendra le contrôle un jour, n'est-ce pas? Bien. Les autres cosses fonctionnent. Ok, ben, on va mettre le son pour voir. Ok, vous semblez m'entendre avec le jeu ici. Non, parfait. Ok, donc on me pose mutin ici. Oh, salut, Mad Killer! Comment vas-tu? Bon, on va des petites patrouilles. Appel aux gardiens. Prenez l'ennemi par surprise. Optez pour un angle inattendu. Détail en cours de transmission. Ah oui, ça va. J'essaye de reprendre les streams réguliers parce que j'en ai perdu quelques-uns. Je sais pas pourquoi. Il y en a même un que je pense qu'il me suivait puis qu'il est venu me voir, je pense à un de mes derniers streams, puis pouf, je le vois qu'il me défollow. Je sais pas compris pourquoi. Il y a quelques-uns qui quittent ma chaîne, ça je peux comprendre que je stream pas souvent. Des affaires qui sont arrivées donc personnelles, donc ça m'a comme un peu démotivé à streamer. Parce que si je m'abuse pas vraiment d'un jeu, de partager, ça me tente pas vraiment. Je vais pas défollow. Parce que je trouve ça bizarre, les personnes qui défollow même, sans vraiment prévenir. À un moment donné, je pense que j'en ai perdu quelques-uns, j'en ai repogné. Là, je vais retomber encore en bas des. En bas des. En bas des 130. Là. Ça fait un peu chiant. Foudre.
Oh, moi, je suis content, tu m'as été venu. Il y en a quelques-uns qui prennent un peu de temps quand je trie. Des fois, je peux attendre quoi? À peu près, je crois, peut-être. Mais des fois, quand je pouvais, c'est temps-ci quand je streamais vraiment comme régulier. Ça venait, je sais pas, moi, je streamais peut-être 3 heures. Il venait genre à 1 h 30 à peu près du stream. Pourtant, ils savent à peu près quand je stream. Je sais peut-être streamer peut-être plus tôt, là, parce que la plupart doivent être en vacances. Là. Quoi tu fais de bon, Maverick? À part que tu sois en vacances scolaires. Ce combat restera dans l'histoire. L'histoire de la plus rapide. Ok, j'ai une amélioration en plus. Supérieur vaincu, patrouille, je commence à la faire, déchu aussi. Là, ça, je l'ai gardé au cas si je trouve une autre armure pour l'augmenter, parce que je ne vais pas sacrifier celle-ci, parce qu'elle me va quand même pas pire. Ça, c'est mon arcaniste femelle, là. En mode électrique, parce que je suis en mode rite de la rage. Bon, ça c'est quoi, ça va m'avantager? Point d'éclair. Lorsque vous lancez transe de rage, vous tirez une boule électrique dans le sol et déclenchez une onde de choc dévastatrice en dessous de vous. Si je fais ça. Ok, non, c'est juste un bonus. Parce que des fois, quand t'ajoutes de quoi, ça annule genre, des fois, le truc qui est en haut. Le truc en haut, c'est mon spell, donc ça change rien. Donc, je vais avoir une plus grosse. Je vais en faire même aussi. Comme quasiment comme un site. Des fois que je peux l'appeler ce mode-là, cette doctrine. Ça m'enlève de la stabilité. C'est un fusil de pression. La lunette à faible grossissement. Portée est maintenant améliorée. Bon, ça va diminuer aussi ma portée. Ici, c'est force d'une armée. Les frappes rapides sans assistance avec cette arme réduisant les délais de récupération de la grenade et de l'attaque de mêlée. Ah. C'est bien. Quand j'ai plus de mission, pouf, je peux attaquer soit la grenade ou avec mon attaque mêlée. 306. Ouais, on y arrive. Celui-ci, l'hydre du dragon, c'est un des. Je pense c'est un des deuxièmes meilleurs roquettes. Je pense que ça fait à peu près 3-4 fois que je le pogne. Je pense qu'il y a un de mes amis que tu connais, Shinzo. Des fois, il me dit que je suis chanceux pour certaines affaires, mais lui, je pense qu'il avait son coffre rempli de genre de mauve pis tout. Là. On va dire c'est qui. Lui, c'est juste parce que ça fait longtemps qu'il joue, mais moi, faut pas si longtemps que ça. Bon, on va essayer de fusionner avec l'autre. Quand pour infuser de quoi, tu dois avoir une arme supérieure en attaque, mais qui soit quand même compatible. Parce qu'il y a certaines, je pense, générations qui peuvent pas être fusionnées dans un sens ou de l'autre. Comme j'en ai un qui vient, je pense, d'un casque. En ce moment, c'est la barrière de fer. Et je peux pas fusionner, je pense, un autre casque avec d'une certaine génération. Je sais pas pourquoi. Hein. Certaines générations ne peuvent pas être fusionnées. Regarde, là, j'ai un Bosca extrêmement puissant. Puis l'objet ne doit pas être, je pourrais dire, si ton objet qui est ici en ce moment, que tu veux comme fusionner, l'objet qui est ici ne peut pas être inclus. Tu dois genre mettre celui qui est ici, comme par exemple, là, comme ici. Il doit être ici, mais tu peux pas inclure ici. Donc tu dois équiper lui. Donc lui, il va être fusionné avec l'autre. Donc il faut pas que l'objet soit, je pourrais dire, l'objet qui doit être fusionné dans l'autre doit pas être équipé. Mais si tu, c'est vraiment celui qui est équipé, tu veux augmenter sa puissance, là tu peux.
Bon, on va sortir ici, parce que là j'ai d'autres objets, d'autres petites quêtes à faire. J'essaie d'augmenter mon arcanis en même temps aussi. Mon titan est rendu dans les 306, 7, 8, là, selon les objets que je peux prendre. Là. Je l'ai corrompu et les duché en même temps. Merci du mélange. Un coup, on attend pas de main. Ouais, on attend pas. Un coup. Oh, j'ai vu ça. Ah, c'est que j'ai ça quand ils font ça. Ça, je crois pas tout. Il y a déjà un autre vaisseau, c'est rare ça. Tout de suite. Ouh, un mec, c'est. Allez, touche pas. On touche pas à mes personnages. Surtout comme mon titan, il y a comme un des gantelets. Que lui, si je me fais attaquer par une attaque de mêlée, ça déclenche une onde de choc électrique qui me protège. En PvP, ça sert pas à grand chose, parce que les pauvres titans ont des attaques plus puissantes, mais dans les quêtes, peu importe, ça me protège énormément. C'est vrai qu'une quête que j'ai pas sélectionnée a été faite. Ouais, tu fais 30 frags à mourir. Celle-là, je l'avais pas faite. Ok, là, j'ai encore des frags de pression. Enfin, ah, cool. Quand des fois tu valides des quêtes, il y a certains objets qui ont de l'amélioration un peu plus rapidement. Ouais, force et cochon. Bon, c'est pas vraiment force. Mon truc, c'est plus pour les titans, les forces ou certaines doctrines. Gardien, les ténèbres cherchent à envahir cette zone. Aidez-nous à les repousser. Bon, il faut que j'extermine le peuple. Ok, bon, je vais quitter la zone quand il s'en allait en pop. Ma grenade est efficace, ça fait comme une orage. Ça fait plus de dommages. Avant, elle faisait comme une genre d'explosion électrique. Elle fait une tempête électrique. Reconnaissance du cosmodrome. Il n'y a plus d'autres là. Ce que j'avais vu, je pense, pour l'arcaniste là. Faut pas que je parle trop parce que moi, en ce moment, mon enfant. Les autres m'entendent, mais je crois pas qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce que je dis. Hein. Hello! Eh bon, les autres. Ce qui me fait chier dans le jeu, c'est comme à peu près n'importe qui peut genre exterminer toute une zone à lui seul quand tout est une quête. Donc tu dois changer de zone. Je pense à un moment donné, je pense que c'était hier soir. J'étais en train de faire une zone, puis il y en a un, je pense qu'il admet pas trop ça que je sois dans la zone aussi. Qu'il était là avec son ami, puis il me donnait des coups de mêlée avec son personnage, qui était un chasseur. Donc il me disait sac ton camp, sac ton camp. Ouais, mais là. Moi aussi j'avais une quête dans la zone. Oh, ça, c'est on a fini. Réussi. J'espère qu'on a réussi. C'est
Malgré que j'ai une sensibilité au maximum, c'est comme si... Ah, t'es là, toi. Il faudrait que j'actualise ma page, parce que pour moi, c'est comme s'il n'y avait personne. Parce que là... Twitch s'est fait attaquer ces temps-ci, donc... Ah, il me dit qu'il n'y a personne. Non, il me dit encore qu'il n'y a personne. Attends, on va essayer de voir par d'autres choses. Non, t'as l'air d'avoir quitté Maverick. D'abord Maverick, Matt Killer. C'est ça, je trouve bizarre. Mais... Ou soit t'es là en ce moment, mais c'est Twitch qui déconne. Là. Soit un des deux. Pour le moment, Twitch me dit que t'es plus là. Le Wizbot qui me dit qu'il y a quelqu'un encore. Mais... Gardien, nos ennemis possèdent de très curieux objets. Nous vous aviserons de ce que vous devez chercher par transmission encryptée. Cache-toi pas, tu vas mourir pareil. Ok, qu'est-ce que je dois abattre? Récupérer la capsule. Abattez des rebuts. Ça ressemble à quoi vos rebuts? Ça c'est des chevaliers. C'est pas ça. Les rebuts, les rebuts. Des duchus. Ah, que ça doit être. Je préviens la cité que nous avons tout ce qu'il faut. Plus que ça aussi. Ça, l'épée que j'ai, c'est l'épée qui vient d'un de mes... qui vient de mon titan. Donc je l'ai transféré à lui, comme ça au moins. Ça va aller mieux. L'arme aussi que j'ai en ce moment, elle aussi, elle vient de mon personnage titan. Je l'ai transféré. Poupée voudou. Ça, c'est aussi le comédien, je lui ai donné mon autre personnage. Celui-ci, je crois que lui aussi. 205. Si tu veux que je fasse avec ça, c'est d'abord. Donc, des fois, si je veux changer à être plus précis, je prends 8. Pour le moment, j'ai 8 pour le moment. Parce que je peux pas avoir deux jaunes dans la même ligne. Comme pour les armes, il faut que j'aille juste un objet jaune. Tout le reste peut être mauve, bleu, vert, blanc. Comme aussi pour ici aussi. L'équipement aussi, je dois juste avoir un jaune. Donc si j'ai un casque jaune, je peux pas le mettre parce que j'ai déjà mon torse en jaune. C'est ça qui est un peu chiant. Parce que je crois que c'est peut-être pour équilibrer aussi. Il faudrait quand même accepter deux, trois, ou un autre. Il faudrait qu'il fasse ça. C'est un peu chiant quand même. Si lui est supérieur, je pourrais le fusionner avec. Je vais vous le montrer, t'sais, ça donne comme un petit effet de... C'est comme ça, c'est comme genre de soirée à gueule ou je sais pas quoi. Ok. Là en ce moment j'ai pris comme des Calipoli, ça fait... Je pense que c'est les monarques ou comme ça, c'est une des factions dans la tour que j'ai pris. J'ai pris quelques objets parce qu'il me faut... Des fois, il faut avoir un certain nombre d'IQ légendaires un petit peu plus haut pour acheter certains. On peut le voir ici. Nouvelle monarchie, c'est ça que je suis. Je suis rendu à rang 2 avec
Je crois que le plus haut rang, c'est un genre rang 10. Ok. Y a-t-il d'autres choses ici? 53 inférieur à ça, mais des fois je garde certains. Je prends des spectres, qui est ça. Qui peut aussi détecter certains objets que tu peux aller chercher. Oh, bienvenue, El Moine. Bienvenue sur ma chaîne. Ok, ça de celle-ci qui me pop. Mes éclaireurs m'ont envoyé de nombreux signalements de corrompus en approche. Ils n'avaient pas l'air rassurés. Dirigez-vous vers ces coordonnées au plus vite. Okay. Bon. Mon artefact, ma relique, incarnée. Oh, ça me montre mes créos électriques, donc je vais être plus dévastatrice. Ouais, ok, on a compris. Hein. Parce qu'il truque la résistance. Ah. Welcome, je sais pas si tu parles. Bah, avec un nom de main, le moine, c'est en français, je dirais. Au Buenas Dias, je pense que tu peux dire, avec ton L quelque chose. El Moine. Bah. C'est un cul-de-sac, ça. Oui, c'est un cul-de-sac. Ok. Raté. Oh, salut, Max the Beast. Bienvenue sur ma chaîne. Ah, bon, ma doctrine aussi. Ça vient parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Ok, ceci, ça fait quoi? Foudre d'enchaîne. Votre coup de tonnerre se répercute sur un ennemi proche de la cible touchée. Ça faisait pas déjà la même affaire? Parce que je croyais que, genre, quand tu l'actives, ça touchait plusieurs cibles en même temps. Transforme des chaînes de créaux électriques à vos propres mains. Parce que d'habitude, quand je touchais, ça touchait quand même. Ben, si ça peut toucher encore plus, parfait. Mais ben, normalement, ça le faisait déjà. Ok. C'est encore loin ou quoi? Attends, on va prendre mon véhicule. C'est par là-bas. Ah, je vais dépasser ici. Ah, ça donne à rien d'éviter. Vous allez mourir pareil. Ah non, je suis juste revenu d'un autre côté. C'est quoi dessus, toi? Arrête de te cacher. Ah, à côté, Carlis. Ok. La fois, je m'amuse juste seul. Ok, ça suffit. Bon, fâché mon corps. Ah, c'est ça, ils ont toujours tendance à se mettre hors de portée à un esti-put quand tu snipes. Quand ils savent que tu y vises, là, ils se cachent le plus loin possible en arrière d'une
je sais pas, d'un objet ou chose comme ça. À chaque fois. Bon, toi, tu meurs. On va essayer de tirer dessus. On peut trouver les gantelets de titan clôture électrique pour les autres classes ou c'est vraiment exclusif aux titans. Parce que ça irait bien avec choc électrique avec ça, mon arcaniste. Ah non, pas une version corrompue. J'ai mis ça, cette version-là. J'ai mis ça. C'est infaisable, mais je l'ai mis. Tout a une grosse... C'est un gros gaillard comme ça. Ça. C'est surtout la dernière chance qui fait chier. Tenez-vous prêt. Je détecte quelque chose d'énorme en approche. Ouais, j'ai vu ça. On va essayer d'animer une grosse partie. Ah, oh, c'est tout clignement. Surtout lui là qui est chiant. Pourquoi tu l'as pas touché? C'est quand même, c'est comme il ne touchait pas le truc. Je suis obligé de reprendre la santé. Avec son petit boule de mort. C'est le fourri, je pense, le bébé. Oh yeah, je me suis pas fait. Tanda! Ah, je m'en perds bien. Si je réussis au moins à survivre sans mourir une fois. C'est une des plus dures, je pourrais dire que c'est. Je sais pas si j'aurais le temps de changer le fusil de Go. Ah ouais, j'ai encore mes airs, fais pas chier.
que ça, toi. C'est plus grand bal. Ça va me rendre super. Oh ouais, j'ai dû s'en mourir. Oh, ce qui est chaud. Je pense que c'est tout. Je pense. Ouais, tu penses, hein. Sacrement qui est dur, lui. Hostie. Pas un cadeau. Ok, il m'indique là-bas en plus. Ça, t'as pas cette version-là, c'était juste Destiny de base. T'as pas les versions de Kate corrompues de même. Parce que moi, c'est apparu quand j'ai acheté le pack corrompu. On voit corrompu. Destiny normal, vous avez pas ça. Ah, c'est ça, tu me donnes maintenant, mon super. J'ai eu besoin pendant. Une chance que j'ai avec mon comédien parce que. Ouf. Parce que le 12 est. Pour faire beaucoup de mal à des personnages de même. Tonnerre! Je sais pas si je dois mettre moins essentiel, malgré mes affaires, je suis pas si. Non, manque de balle. Salut le concessionnaire, bienvenue sur ma chaîne. Quand tu viens de Nintendo, je l'ai déjà vu là. Où ta balle? C'est vrai que ça a fait un malade. Arrête de cacher mon truc. Oh, hello, comment vas-tu? Ils ont toujours tendance à se.
gueule, il y a une téléportation ici. Corruption est finie. Bon. Ceci, c'est... Ouh, les ennemis de la ruche. Ouh, mon comédien aussi. Out. Je peux pas te manger une grenade dans la gueule, attaque-moi pas. Qui est dévastatrice. Oh. Ok. Bon, comme dit. Ah oui, c'est vrai, il me manquait des pièces d'armes. J'irai à la tour pour ça. Salut Claudio, comment vas-tu? Bon, on va aller identifier ça. Ouais, je veux bien aussi. Il y a juste le collectionneur qui m'a juste dit allô, mais il semble avoir des problèmes aussi. Ou c'est Twitch qui a des problèmes. Il fait chaud parce que moi toutes mes affaires électroniques sont toutes à la même place, donc il chauffe. Parce que j'ai mon ordinateur pour voir le chat, j'ai ma console qui est un peu plus haut qui chauffe aussi, j'ai mon affaire pour écouter la TV, la petite affaire qui nous permet avec le service aussi, il chauffe, je sais pas pourquoi il chauffe par lui-même, il chauffe tout le tabarnak. J'espère que ce sera pas une journée chaude. Quoi, il a réussi à... T'as vu, tu l'as, toi? Graduation. Nous avons le plus grand respect pour votre roi. Ouh, j'ai un monde en même temps. Il est prudent. Promettez-moi de vous entraîner avant de l'utiliser. Bande de Discord. De mon côté, j'essaierai de soutenir les gens ici. 304. Ah, ici, il me faut, je pense, un objet ésotériste comme lui, mais
On va fusionner avec lui. Ah oui, je pourrais augmenter sa défense, parfait. Ici, rien d'autre. 3, 4, 4. Bon, moi, je vais le garder lui parce que j'ai des bonus avec. Bon. Toi, t'es quoi? Ouh, 305. T'as vrai, chanceux. T'es un fusion à impulsion. Cadence de tir pas trop pire. Impact. Donc, je dois être à peu près. T'as de la portée, de stabilité, t'as de la recharge. Ça, c'est quoi ici? Un projectile supplémentaire est tiré à chaque rafale. Donc, je veux dire, s'il en tire deux, il en tire. Ok, c'est fusion pour le moment, j'ai pas assez d'armes pour l'instant. Ok, toi de base tu fais SC holo. Viseur holographique. Améliore l'équilibre de la cible. LBSO. Lunette de saut moyenne portée. Améliore la portée optique. Dernier recours, cet arme est plus facile à manier et plus rapide à recharger quand ton porteur est le dernier joueur vivant de l'escouade. Ok, cette fonction-là se fait juste quand je suis en équipe. Télémètre, utilisation du viseur permet d'améliorer la portée pratique de l'arme. Ceci, sangle à point. Change d'arme plus rapidement, déplace-vous plus rapidement ce que vous visez. Manche ajustée, la stabilité de l'arme est améliorée. Cadre, les recharges plus rapidement. Bon, il est plus dans la recharge, oui. J'ai 309 ici. Oh, ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Qu'est-ce que je vais changer pour... Bon, ça c'est la marde. J'ai rien d'autre ici. Je n'ai jamais rien vu de tel. 13 paraboles écrites à la main. Ok. Donc il me reste une quête. Faut que je tue des ruches. On va faire une petite mission. Ok. Ça, on va pas le refaire. Si j'ai tout fait, à part le raid, mais ça je le ferai pas. Parce que j'ai pas d'autres personnes qui y jouent. Là, je trouve ça bizarre ici, c'est pas encore débloqué. Il faut que je refasse cette mission là. J'ai 2,40, j'ai des chances de mourir. Bon, on va la tenter. Donner un peu d'action. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où se trouve Oryx sur le cuirassé. Avec un peu de temps, on pourrait le trouver, mais nous n'avons pas ce temps. Les Cabales y sont depuis un moment. Leur vaisseau doit contenir des informations qui pourraient nous aider à trouver Oryx.
Les cabales sont toujours là. Il y a de nombreux survivants. Mais la survie ici est plus que précaire. Essayez d'infiltrer leur défense et de rentrer dans leur vaisseau. Ok. Le vaisseau de cabale est verrouillé. Il est... Bon, il faut que j'extermine qu'est-ce qu'il y a. Ouais, je vais mettre mon bascon. Là, je vais rester dans ce mode-là. Pourquoi défendre un vaisseau écrasé avec autant de armes? Ce vaisseau ne s'est pas écrasé par erreur. C'est une brèche pour pénétrer dans le cuirassé. La porte ne s'ouvre que lorsqu'ils envoient des renforts. Attirez-les! Au niveau 40. Je crois que vous vous êtes fait remarquer. Malheur. Une fois que ces portes s'ouvrent, ça risque d'être intense. Tenez bon. C'était déjà intense de rien. Les cabales sont toujours là. Il y a de nombreux survivants. Mais la survie ici est plus que précaire. Essayez d'infiltrer leur défense et de rentrer dans leur vaisseau. J'ai fait 50% avec mon bascule. Pourquoi défendre un vaisseau écrasé avec autant de hargne? Ce vaisseau ne s'est pas écrasé par erreur.
C'est une brèche pour pénétrer dans le cuirassé. La porte ne s'ouvre que lorsqu'ils envoient des renforts. Attirez-les. Vous êtes fait remarquer. Une fois que ces portes s'ouvrent, ça risque d'être intense. Tenez bon. Plus des trucs verts pour mon deuxième membre que des trucs mauves. Ça c'est bien aussi. Quand il est déjà identifié, ça doit être de la merde. Pourquoi j'ai un genre de malédiction? Ça m'attend. Zavala, on y est. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le règlement Cabal exige qu'un vaisseau écrasé soit détruit immédiatement. S'ils ne l'ont pas fait depuis tout ce temps, ils l'utilisent sûrement comme QG de mission. Ils cherchent quelque chose sur le cuirassé. Découvrez ce qu'ils savent au sujet d'Oryx. Vous êtes toujours là? Parce que je sais pas, moi je fais des signes, mais toujours genre le monde reste un petit peu puis ça claque. Littéralement. Comme vous dites, si vous, vous aimez pas le jeu, je pourrais changer pour un jeu rétro. Hein. C'est juste pour passer le temps en même temps.
peu de traite dans leur... Terminal pas très loin. Il devrait contenir les informations que nous cherchons. Alors, pour le moment, j'essaie d'exterminer tout ce qu'il y a. Les cabales ont trouvé Oryx. Il est protégé au centre du cuirassé. Apparemment, on ne peut l'atteindre que par le biais de ce qu'ils appellent une rupture. Ça doit être une sorte de portail. Est-ce que les cabales en ont trouvé une? Un de leurs escadrons s'y rend en ce moment même. Alors je vous recommande d'y arriver avant eux. Je n'arrive pas à déterminer tous les produits chimiques utilisés dans ces machines. Mais je vous conseille de garder votre casque. C'est sûrement toxique. Et ça ne sent pas bon. Il y a eu des attaques ici. T'arrêtes de danser s'il te plaît. Ah c'est vrai d'habitude on va aller. Au tout un qui se danse de leur mec. Arrêtez de me faire chier. Nous avons trouvé l'escadron cabale qui se dirigeait vers la rupture. Ils sont complètement dépassés par le nombre de corrompus. On dit que l'ennemi de notre ennemi est un ami. Ce n'est pas le cas ici. Si un obstacle se dresse entre la rupture et vous, détruisez-le.
Rival ne survivront pas longtemps. Oryx vient de recruter un centurion. Qu'il corrompe ce qu'il veut. Il ne sera pas vivant assez longtemps pour en profiter. C'est une de leurs baies de déploiement. Mais selon ces données, elle était vide lorsqu'ils ont attaqué le cuirassé. Ils ne voulaient pas risquer de perdre des troupes. Pour trouver ce qu'ils cherchent, ils vont avoir besoin de tout le monde. Ça fait ça, à chaque fois je fais ça, c'est parfait. Non, encore pardon, je pense. Ah, c'est juste au-dessus, vous niaisez. Je peux pas monter, à moins qu'il y ait des plateformes. Ça doit être la rupture. Eris, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tolland a parlé de statue de la ruche pour traverser la rupture. Trouvons-les. Bon, il y a des lumières. Pourquoi je fais ça? C'est que j'adore plus les... Juré de moi. Ah, Chris. Je peux l'analyser pour voir s'il est toujours actif. Elle est bien raccordée à la rupture, mais je n'arrive pas à comprendre comment la ruche la contrôle. Essayons avec une autre statue. Mais il faut juste te suicider. C'est fun. Mais il dit que la première, mais pas les autres. Ok, mais on dit qu'il est pas loin d'ici.
Oui. Les statues contrôlent la destination de la rupture. Elles pourraient nous mener à Oryx. Oh, plus qu'une. Si l'autre était dans le milieu, l'autre à droite, l'autre est à gauche. Encore quelqu'un. On était trop, on est rendu juste un qui parle pas. Celle-ci semble hors service, mais il se passe quelque chose à la rupture. La rupture s'ouvre. Ne faites pas la même erreur que Tarlo. Ils sont puissants. Moi aussi, je suis puissant. N'est pas de temps. Traversez la rupture. Je ne peux pas vraiment faire de pont. Non. Dépêchez-vous avant que la rupture ne se ferme. Je vais être temps d'y arriver, j'ai plein de petits trucs à la fin du match. Je ne crois pas que c'était l'effet escompté. C'est donc vrai. Seuls les ascendants peuvent causer l'ouverture d'une platinum spiker. Bienvenue. Un ascendant semble passer la rupture en ce moment même. Je suis resté trop longtemps. Je m'en mets tout. Un ascendant semble passer la rupture en ce moment même. Ah, sacrement, pourquoi que c'est l'hydrate de vin, l'enfoiré? Un ascendant semble passer la rupture en ce moment même. Ascendant, ça va mourir.
feu, on de la puissance de feu. Pleine vie, s'il te plaît. Si je veux lui décharger tout seul à ailleurs, il est chaud. Plein de mon épaule, je suis trop loin dessus. La pointe du roi. La rupture est fermée. Ça ne s'ouvrira que pour un ascendant de la ruche. Alors comment allons-nous pouvoir atteindre Oryx ? Devenez votre ennemi, un ascendant de la ruche. On trouvera une solution, gardienne. Revenez à la tour dès que vous pouvez. C'était pas évident avec l'augmentation de la lumière pour cette mission-là. Ouais, il faut aller chercher un fragment d'un ancien corrompu, puis un ascendant, comme qu'ils disent. Après, repasser la porte. C'était intense, celui-là. Je suis pas un petit peu trop souvent, mais c'était... Mais pas de cadeau. Identifier, mettre en mode
Ici, identifier. Ah, c'est qui là? Encore lui. Il aime ça jouer. C'est parce que c'est la bagarre de fer, donc tout le monde est dessus. Parce que je pense que c'était hier, si t'avais participé tout le temps des genre messages pour dire que le serveur comme se reconnectait à toi parce qu'il y avait trop de monde. Donc c'est quoi, vous avez un gros serveur pour tout le monde? Faites plusieurs serveurs, Coronique. Ouais, je pense qu'ils font un gros serveur par, je sais pas, moins consignant ou je sais pas quoi. Là. Je vois aussi. Y a-tu encore quelqu'un ou. Parce que ces temps-ci, je sais pas ce qu'il y a avec mon stream. Vous venez, mais vous restez pas longtemps. Et même les petits nouveaux qui viennent me laissent pas un petit salut. Ils font juste à regarder. Ne disent rien, ça claque leur camp. Un petit bonjour, c'est une marque de politesse. Hein. C'est le minimum. De dire un petit salut au streamer. Peut-être que vous voulez juste savoir un petit salut, juste. Peut-être je vous accueille, mais vous dites rien. Hein. Oh, attends, je pense que j'avais même pas vu ça. Yo, est-ce que je peux venir jouer avec toi? Je sais pas si t'es encore là, Platinum. Désolé d'avoir lu ton message en retard. Si t'es encore là, je dis oui. Si t'es plus là, dommage. Très bien. Allons-y, formidable. Alors, en plus, je pense que je l'avais mis en public, je crois. Non, je l'ai mis à Ami, je vais le mettre en public. Donc, s'il y en a d'autres qui veut jouer avec moi, qui me fait un petit coucou. Désolé, Platinum. J'ai vu trop à la dernière minute. Je crois que tu l'as fait à I31, puis quasiment 11 minutes plus tard. Désolé. Nous devons vous faire passer pour un ascendant. Trouvez le cristal qui contenait l'âme de Cropta. Toland, le morcelé, nous a mené jusqu'au. J'espère qu'elle va me donner quelque chose de bon. Hein. Ouais, qu'elle me donne ça. Je sais pas, tu me donnes pas le même basque que j'ai. Yeah, j'ai encore pas une basque. Je sais pas, j'ai comme de la super grosse veine pour ce boucle. Oh, toi t'es 300. Avec un abyssal. 300. Toi t'es abyssal aussi. Il y a du 300, 306. Toi, t'es quoi, deux, quelque chose? C'est un peu de la merde. Quand je dis que j'ai de la veine, je pense que ça fait 5-6 fois que je pogne ça. Je sais pas s'il est rare ou pas, mais c'est un des meilleurs, mais. Il arrête pas de me pomper dans la face. Ok, c'est quoi que j'ai eu? J'ai eu un vaisseau. Vieille arme de la. Ils ressemblent à quoi? Pour tout temps, c'est. Son... Fait qu'il se ressemble à un gros big fat, mais avec un. Dans le cul. Ça ressemble à. Ok. Ça c'est des deux. Bon, c'est inférieur, je supprime. Tout ce qui est inférieur, qu'est-ce que j'ai, supprime. Ça... Ou soit des fois je garde si l'arme est pas paye, comme le basque j'ai eu d'avoir. Tout le monde qui parle français, non? Welcome, non? Attends, je pense que j'ai mis peut-être le... les paramètres. Non, je dis au maximum. Je vais le mettre comme ça. Comme le comédien, je l'ai eu plusieurs fois aussi. Mais... Ok. Peut-être le mettre dans le coffre pour le moment. Parce que, là, j'ai comme un sniper qui est popé, mais que je peux pas vraiment utiliser. C'est un fusil de pression, lui? Je sais pas, il a l'air.
plus performant que ce que j'ai. Ok. Ok, on va le prendre. On va se mettre. On va le détruire, il est inférieur. Je garde les us parce que j'avais les us. Et puis ici 304 là. C'est quelque chose de particulier. Faucon sauvage. L'optique est améliorée et la maniement est altérée. La portée est prolongée et la stabilité est légèrement moins bonne. Ouais, t'as un peu de la mort de même. Force d'une armée. Ah, ça ressemble comme l'autre que j'avais. Donc au moins si j'ai un peu du précédent. 305, je vais le laisser dans mon coffre. Au cas s'il y en a un qui le veut, ou soit je peux l'améliorer avec mon titan. Ok. Il me reste ceux de la ruche. C'est d'autres choses. Ah ouais, je vais peut-être déposer l'autre vaisseau aussi. Hein. Je pense que j'ai genre eu une coupe de vaisseau que j'ai acheté. Je pense qu'il y a une limite à un moment donné, que je dois à un moment donné prendre certaines affaires sur moi. Hein. Je pense que celui-ci, le lapin, je l'ai eu, je pense, d'une petite quête cucu. Après, à un moment donné, je trouve un coffre ailleurs, pouf, je l'ai. Je pense que c'était sur la lune. En plus, tu peux trouver sa lune. Insigne du lapin de Jeanne. Là. Je l'ai eu deux fois. Là. Mais tu peux pas avoir deux fois dans le même coffre, donc tu dois supprimer ta deuxième copie. Parce qu'il y a certains objets que tu peux pas avoir en double. Je pense que j'ai mon vaisseau, que je pense, mon rapide. Là. Celui qui te permet de... Pas mon vaisseau dans l'espace, mais le véhicule pour se déplacer, ça je pense. Si vous l'avez au moins une fois, un de vos véhicules que vous aimez bien, vous pouvez le reprendre. Vers l'emplacement où ce que vous pouvez acheter des véhicules. Donc, si vous avez un véhicule qui va très vite, vous pouvez le prendre plusieurs fois selon si l'objet peut être multiplié ou pas. C'est que j'ai hâte à vendredi, parce que là, j'ai 73 là, pour avoir de nouveaux objets. Pour avoir aussi peut-être quelques étroites de nier, là, pour avoir plus de chances de drop. Je vais montrer aussi mes autres personnages. Parce que d'habitude, je me vide à chaque fois que je change de personnage. Parce que des fois, j'ai eu besoin d'un objet en particulier. Il y a tellement que j'en ai un que j'ai atteint le max. Ah, transfert impossible. En ce moment, là, j'en ai trop. Bon, il n'y a pas des cossins que je peux récupérer ou garder. Qui me sert. Ça sert à rien. À part si je veux le faire, donc. Tiens, on va faire un peu de place, là. Ça, je laisse ça parce que des fois, t'as certaines factions qui ont besoin d'armes spéciales, ou de cartouches spéciales, ou lourdes. Normalement, j'ai pas vraiment besoin de ça pour mes autres, donc lui, il peut le garder. Je sais pas c'est qui reste parce que mon Twitch dit que. Oh, Capitaine Charisma, salut, comment vas-tu? Ok, on va changer de personnage. Ça.
pas si tu m'entends, je te vois dans la liste, même des fois quand tu vois en avance dans la liste, on sait pas si, si vous êtes là. Donc ceci est mon titan, qui est pour l'instant à 306, mais il peut aller je crois à peu près à 308 ou 7, là, selon les l'équipement que je peux avoir. Là. Parce que j'ai comme un casque qui est comme pour la barrière de fer, mais tout ce qui me fait chier, c'est que pour la barrière de fer, le cache, je peux prendre celui-ci pour le transférer, mais celui-ci il est moins de défense. Mais si je prends lui, mais je mets la barrière de fer et le casque, je peux pas le mettre dedans, ils sont pas compatibles. Mais le contraire, oui. C'est une idée de merde quand même, des fois. Ici, j'ai ma chasseuse qui débute un peu. Là. C'est comme si t'es pas trop bon, tu peux rusher pour certaines missions. Là. C'est ça qui est bien des fois d'avoir peut-être avoir un ami légèrement peut-être le même niveau ou pas. Là. Ça peut aider, mais pas trop haut niveau, sinon ça gâche un peu parce que là il fait tous des headshots. Là je vise personne en particulier. Si j'ai un de mes amis qui aime bien faire des headshots. Ça, c'est mon arcaniste. Donc si vous remarquez, j'ai juste fait des filles. Parce que je fais tout le temps des gars, donc je me dis on va faire des filles. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai mis mon. Ici, j'ai bien aimé ma clôture électrique. C'est ce qui me fait chier pour l'améliorer. Il me faut un autre objet. Il me faut un éclat exotique. En plus, c'est juste des objets de même qui ont des éclats. C'est ce qui me fait chier. Je peux pas les fuser tant que j'ai pas un éclat. Ce qui est très bon parce que quand je me fais attaquer en mêlée, déclenche une attaque électrique. Ce qui est bien. J'ai aussi mon sniper qui est quand même bien. Il y a un peu de recul, mais si tu prends ton temps, il est très bon. Celui-ci, je sais pas pourquoi, je l'ai comme eu. Ben, je pense que c'était rang 1 d'une maison du châtiment, mais je l'ai eu pareil. Je pense qu'il y a certaines affaires, même si t'es pas rang 1, il peut te donner des cadeaux de même. Comme je disais aussi, tantôt, j'ai vu encore Hirt du Dragon, un des meilleurs fusils. Je pense que l'autre, c'est un genre de tête de... C'est comme si c'était un dessin de comme 10 dragons, mais c'est plutôt un dessin de requin. Donc ici, c'est juste les apparences de la couleur. Faut que tu sois au moins minimum niveau 20 pour changer de couleur. Ça, c'est les bannières. Ça, c'est quand je suis allé avec un autre joueur. Que j'ai eu cette bannière. Ça, le vaisseau rapide ici, si vous l'avez au moins une fois, vous pouvez aller le récupérer pour vos autres personnages, c'est ça qui est bien. Aussi, si vous aimez aussi ce vaisseau-là, vous pouvez aller aussi le récupérer. Si vous l'avez au moins une fois, vous pouvez le récupérer une seconde fois. À part pour les. Ici, vous pouvez les récupérer, mais vous pouvez pas l'avoir deux fois dans votre inventaire. Donc, vous devez le mettre dans le coffre pour aller en donner un autre. Donc, si vous avez, je sais pas moi, certains objets que vous voulez acheter, mais que votre personnage actuel, je sais pas, moins 20, qu'il faut pas 15 par exemple, vous pouvez prendre votre personnage que je sais pas, au 40 ou plus haut pour aller chercher l'objet, puis le donner à votre. Sauf si c'est un objet particulier. Si c'est une arme, là, vous pouvez l'acheter pour n'importe quel personnage, mais si c'est un équipement en particulier. C'est un peu chiant des fois. Je pense à un moment donné, j'ai eu un casque spécial avec le petit coche. Je pense que c'est cadeau remarquable. Je sais pas, ils sont un peu épais. C'est genre, il peut te donner genre par rapport, je sais pas moi, au titan, à l'arcaniste ou au chasseur. Donc, t'es pas sûr de l'avoir pour ta classe déjà au départ. Parce que moi, à un moment donné, je l'ai ouvert pour mon chasseur et j'ai eu un casque de titan. Donc, ça m'a fait un peu chier. Hein. Avec mon titan, je pense que c'est un demi plus haut. C'est un demi plus avancé, celui que je joue le plus aussi. Alors, au moins là, il y a moins de déconnexion avec les serveurs là, en ce moment. Parce que là, hier, ça arrêtait pas de se le faire. Là. On a fait une grosse maintenance hier. Là. Je pense que ça n'a pas donné grand chose. Si tout le monde était tous sur la barrière de fer. Là.
C'est qu'ils sont loin de ce charnement. Ah, qu'est-ce qu'ils vont manger? Parce que, j'espère qu'ils vont donner des bons jeux, parce que là, c'est ancien pas God of War, il n'y a pas grand-chose. Hein. L'affaire de genre de basket. C'est comme s'ils sont désespérés, parce que je crois que le jeu coûtait plein prix en plus. C'est rare qu'ils donnent à la fin de la main. Ok, là c'est quoi? C'est Saints Row qu'ils m'ont donné? Ah cool, je pourrais aller me le chercher. Après c'est quoi? C'est Fury. Je sais pas c'est quoi, ça doit être un petit jeu indé. C'est quoi? C'est pour PlayStation 4, ok. Ben ça va être Fat Princess, Call of... Tu joues à Red Dead là de quelque chose. C'est une affaire de fusil. Parce que je veux pas qu'ils m'entendent en même temps. Ah oui, c'est une affaire de gun. Là. Un vieux jeu de PlayStation 3 qui date de 2009. Ok. Après ce PS Vita. Il va avoir Prince of Persia la révélation. Ares Chika. Ça ressemble à un jeu japonais. Et ça ressemble à un jeu japonais aussi. Ça ressemble... Oh, un jeu 2015. Ok, c'est un peu vieux, mais je sais pas c'est quoi. Il n'y a même pas d'image. Attends, on va voir les images. C'est un jeu de quoi? Un jeu de trip, un jeu de RPG. Pas de sens, c'est un jeu RPG qui donne. Ça a l'air un peu genre. T'es comme c'est une scène, pis t'as des personnages. Ok, bon, ça m'a pas trop pire. Parce que des fois, ils donnent des jeux de la merde, là, des fois. Hein. Bon, moi, c'est pas trop pire le mois de juillet. Ah, c'est quoi, mon ordinateur fuck encore? Je sais que j'ai ça. Depuis que j'ai eu une petite panne de. Panne d'électricité à un moment donné. Je sais pas, c'est comme si mon disque dur fait des siennes. C'est ça qui me fait un peu chier. Parce que si je reste trop longtemps, je pourrais dire à rien faire. Mon ordinateur peut fucker. L'affichage fuck. Faudrait que je me. Soit que je refasse tout entièrement pour voir si le bug. Rasputin! Bon, ça fait 1h33. Je vais peut-être prendre l'émission. Vérification. Compris. Sans mourir. Spécial, c'est quoi? Je pense que c'est soit mon sniper ou. Ça, je trouve un peu impossible comme ça. Merci. Message pour Charles. Oh, il est méchant. Si vous voyez, je suis pas moins d'amel. Si vous réussissez à trouver mon profil là, sur. Sur le PSN. Vous voyez que vous avez un des jeux en commun. Vous pouvez m'envoyer un petit message ou demander ami pour jouer. Ça va me faire un plaisir de jouer avec vous autres. Que pouvons-nous vous offrir? Ok. Je pense que j'ai oublié de prendre les objets parce qu'il me dit que j'ai rien. Donc avec lui, je pense que je suis rendu niveau 8. 8e rang. Donc il m'en manque un peu pour l'heure. Parlez de nous à votre entourage. Pour toute amélioration de type. Bon, c'est sur ce que je vais arrêter le live. Je vais aller manger, puis je revenais avec un live sur un jeu rétro. J'essaie de choisir lequel. S'il y a quelqu'un en ce moment qui veut me suggérer de quoi, dis-le avant que je pense. Sinon, j'essaie de continuer un de mes jeux. Comme je disais, on peut récupérer. Tain, j'ai toutes les assauts.
Donc, si vous avez un vaisseau que vous aimez, vous pouvez le récupérer. Comme en ce moment, moi, je peux pas le récupérer parce que j'ai un exemplaire. Mais mon autre personnage pourrait le récupérer. Comme pour les véhicules ici aussi. Comme ici, celui-ci, vous pouvez... comme lui, je l'ai eu avec... comme qui est avec le petit icône qui est en haut, là. Juste à côté de 36. Ça, c'est parce que je j'avais acheté, je pense, plusieurs boîtes. Parce qu'il me restait encore de l'argent. Donc, j'en ai acheté une couple de boîtes, puis c'est ça que j'ai eu. Là. Donc, vous pouvez... celui-là, il est pas en limite unité. Hein, donc, vous pouvez le récupérer. Ça, c'est quoi? Ça nécessite à la quête de vitesse toute finesse. Celui-ci, c'est très en remarquable qu'on peut l'avoir aussi. La fameuse petite klaxon. J'en ai pas d'autres des klaxons. Ça, c'est quoi celui-ci? Jour venteux. Ok, ouf. Non, pas beaucoup de modèles. Ça, on est en forme de triangle ou allongé. Donc, pour le moment, personne qui s'est manifesté. Donc, je vais choisir mon jeu rétro et. Je revenais, je sais pas moi, dans pas long, hein, dans quelques minutes. Donc, merci encore de ceux qui sont venus. Et à plus tard.